Eh bien bonjour à tous, j'espère que ça va pour vous. On continue notre série de vidéos sur Call of Duty Modern Warfare 2 pour vous présenter les armes. Donc cette fois-ci, ça sera encore un fusil d'assaut avec la M4. Donc je vous donne la meilleure configuration. C'est une arme qui est quand même assez compliquée à monter. C'est celle que j'ai eu le plus de mal dans la catégorie fusil d'assaut. Parce que bah vraiment, il faut vraiment mettre toute la rafale ou le coup par coup, ça dépend comment vous la jouez. La configuration que je vous donne vous permet de la jouer en deux types de configuration, donc il n'y a pas de souci, ça peut être très bien du coup par coup ou de la rafale, c'est vraiment très agréable. Donc je vous montre tout de suite ce que j'ai mis comme accessoire. Donc Ecoles 80, poignée Sharkfin, le laser, un viseur, parce que franchement je trouve que ça apporte vraiment du confort, et la poignée Sakin. Donc on passe au détail des ajustements, visée accélérée, contrôle de l'oscillation du viseur. Sur la poignée Sharkfin, stabilisation du recul, contrôle de l'oscillation du viseur. La poignée arrière Sakin, visée accélérée, vitesse de transition du sprint au tir, très important. Sur le viseur, j'ai été chercher de la visée accélérée et la position de l'œil loin, ça apporte un confort je trouve. Après vraiment votre ressenti, mettez vraiment vous ce que vous préférez le plus. Moi franchement cette configuration d'M16 est vraiment très très forte. Une fois que j'ai réussi à trouver les bons accessoires, ça a été vraiment plus facile. Donc n'hésitez pas à reproduire la classe et l'essayer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas un petit pouce bleu, un commentaire et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Ça me ferait super plaisir et ça permettrait à celle-ci aussi de grandir. Donc je vous dis à très très vite. Ciao ciao, c'était Nico. Allez, à bientôt.